Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode des aventures multimode 1.2.5. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Moi en tout cas ça va bien, c'est les vacances, j'ai terminé mes examens il y a 2 jours, donc c'est nickel. J'aurais préféré en fait faire les aventures multimode pour la version 1.2.6, mais malheureusement j'ai vu dans un tweet de Jeb, le développeur de Minecraft, enfin l'actuel développeur de Minecraft, avant c'était Notch évidemment, qu'ils étaient en train de se déplacer dans un nouvel immeuble, ce qui fait que ça ralentit le développement de Minecraft. Et par conséquent, on peut en conclure que ce ne sera pas pour tout de suite la version 1.2.6. Et vu que j'ai pas envie de postposer les aventures multimode, et ben voilà, nous allons la faire sur la version 1.2.5, la version actuelle. Alors on va sans plus attendre lancer le monde complètement aléatoire. Il n'y a pas de site, je ne sais pas si on va atterrir dans un biome de merde. Ça me paraît être correct. Ça me paraît correct, ouais. Alors, il y a un truc qui est excellent, parce que j'ai fait des tests avant, parce que je laguais beaucoup avec Fraps en tournant la vidéo. Et là, c'est un truc de dingue. En fait, j'avais plus été depuis longtemps sur tousles drivers.com. C'est un site qui permet de mettre à jour tous les hardware de votre PC. Et voilà, j'ai mis à jour mon processeur et là d'un coup j'ai l'impression que je sais pas, il y a... En fait j'ai vu que l'ancienne version que j'avais pour mon processeur Intel datait de 2009. J'ai mis à jour pour une qui datait de février de cette année. Et là d'un coup c'est magnifique, je suis en train de lancer une vidéo, j'ai pas un pet de lag. C'est juste excellent, c'est juste extraordinaire. Donc, attention. Oula. There is a battle castle near your position. Ok, ça commence bien. Alors déjà vous allez voir sur la chaîne plusieurs jeux auxquels je vais jouer. En fait je trouve un peu dommage de devoir se limiter à Minecraft quand j'ai plus de 20 jeux sur mon PC. Et ce sera beaucoup plus amusant de jouer sur plein de jeux que de jouer sur un seul jeu. C'est pour un peu varier les plaisirs. J'espère que vous serez content de voir un peu de contenu sur la chaîne. Parce que franchement, pour moi, jouer à plusieurs jeux, c'est beaucoup plus marrant que de jouer qu'à un seul jeu. Et donc voilà. C'est à peu près ce que je voulais dire. Ah si, aussi que... Je suis en train de me demander en fait pourquoi il y avait des fleurs dans l'eau, mais c'est parce que ce grand donjon vient de pop de nulle part et tout ce qui était là avant a commencé à valser dans les airs. Oh, oula, ok, il y en a déjà un qui veut me taper. Oh, dégage. Not nice. Alors je vais essayer d'être un peu plus présent pour mes abonnés. Alors, je vais essayer de le fuir, de toute façon, il va pas pouvoir me rattraper. D'être un peu plus présent avec mes abonnés, parce que c'est vrai que depuis que je commence les vidéos, je suis pas toujours présent dans le sens où je ne réponds pas toujours aux MP. Et parce qu'en fait, ça prend pas mal de temps, l'air de rien. Et là, j'ai décidé, pendant ces vacances, de vous accorder un peu plus de temps. Donc, je lirai tous les MP, je répondrai aux questions. Et je ferai bientôt une vidéo IRL. Car j'approche des 21 ans, oui, 21 ans, célibataire, libre comme l'air. Pour ceux qui connaissent GTO, ils savent de quoi je parle. Et donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, enfin, tout ce que je voulais au moins dire à la base. Parmi les jeux que je jouerai, il y en a pas mal, il y aura Vessel, enfin, je connais pas la prononciation, en fait, c'est un jeu de réflexion. Qui a présenté Atomium, qui est un youtubeur très talentueux, il explique très très bien, il fait des reloads et des tests de jeux. Franchement, allez voir sa chaîne, ça en vaut la peine. Et donc, il y a aussi Dustfort, que j'ai aussi découvert grâce à lui. Il y a Battlefield 3, il y a, je sais pas moi, il y a Left 4 Dead 2, Team Fortress 2, il y a Dead Island. Bref, il y a plein de jeux auxquels j'ai envie de jouer sur... et de vous faire partager sur YouTube. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Mais vous inquiétez pas, l'aventure Minecraft va continuer, ça va de soi. Et je vais arrêter d'attirer ce personnage avec son marteau dans la main, parce que un jour il va me le foutre dans la tête et ça va faire mal. Alors je vous rassure, IRL, je n'ai pas les cheveux verts.
Ça ferait un peu peur. Hein. Enfin, quoique, je pourrais très bien être punk. Imaginez-moi punk avec, le crâne rasé et une petite pique au milieu. J'aurais pu, mais non. Non, je suis totalement normal. Enfin, je dis pas que les punks sont pas normales. Hein ? Me frappe pas addict, me frappe pas addict ! Non, j'ai pas fait exprès. Addict, c'est quelqu'un qui vient sur notre Mumble généralement. Il est punk en fait. Et j'aime bien le taquiner. Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas où je ne sais pas ce que je fais. Je parle, mais je ne sais pas. Bon, allez, je vais prendre du bois. Je crois que c'est un peu la base de tout. Et je vais déjà me faire une maison classique, sans prétention. Et j'ai découvert il y a peu de temps que le bois blanc est vraiment super beau en fait pour faire les murs des côtés. Donc c'est ce que je vais faire. Aussi, j'avais aussi envoyé donc en commentaire de chaîne comme quoi j'allais faire sans doute des vidéos avec des youtubeurs. Ce sera certainement pas avec Bob Lennon et The Fantasio 974 que vous allez me voir faire des vidéos. Parce que tout simplement ils me connaissent pas. Je suis un inconnu, je suis encore avec un petit public si je puis dire. Je n'aspire pas à une notoriété supérieure, hein. Moi je suis bien comme je suis, avec vous les fidèles abonnés. Mais je pourrais faire des vidéos avec des youtubeurs plus ou moins connus, du moins j'espère bien qu'ils voudront jouer avec moi. Je ne crois pas que je suis un enfoiré de première ou un mauvais youtubeur, enfin faites-le moi savoir. Hein. Alors sinon, au niveau de ces aventures que je suis en train de faire actuellement, je n'ai pas mis dans la description de la vidéo les noms des mods que j'ai installés. C'est à vous de votre côté... Oula, j'ai eu un freeze. C'est à vous de votre côté, en fait, que vous devez me dire quels sont les mods que j'ai installés, en fonction de l'aventure. Hein. Donc, on va découvrir certaines choses. Et donc, dès que vous avez trouvé un mod que j'ai installé, bah, je le mettrai dans la description de la vidéo. Donc, c'est à vous de commenter tout ça. N'hésitez pas à proposer également des mods à installer. Je pourrais en installer. Ce n'est pas garanti que j'installe les mods que vous proposez. Je vous dirai les raisons pour lesquelles je pourrais pas. Ça peut très bien être en raison d'incompatibilité. Hein. Il faut savoir que les mods, il y en a beaucoup qui sont incompatibles entre eux. D'ailleurs, là, j'ai été fort restreint sur la plupart des mods que je ne citerai pas parce que sinon je vais spoiler. Mais en gros, voilà, je vais essayer de faire mon possible pour vous faire plaisir. En tout cas, moi, ça fait depuis longtemps que j'ai plus joué à Minecraft et ça fait plaisir de refaire des aventures multimodes. Bref, je viens de parler à vitesse grand V, c'est magnifique, je crois que j'ai pas perdu ma langue, parce que ça fait quand même 5 mois que j'ai plus fait de vidéo. Et vu que je suis quelqu'un qui est fort insatisfait de mes vidéos en règle générale, dans le sens où je recommence souvent les épisodes parce que je sais pas, je trouve que je suis pas très... Je suis insatisfait, je n'arrive pas toujours à trouver les... Allez, c'est ce que ça veut dire en fait, je trouve que mes vidéos parfois quand je les fais et que je me revois en train de faire l'aventure, je me sens pas forcément dans mon élément et j'ai peur de vous décevoir, c'est vraiment chiant pour un youtubeur de ressentir ce type de choses. Bah c'est quelque part aussi une qualité parce que ça permet de pas publier de la merde, disons-le clairement, mais voilà, ça handicape un peu parce que tu fais 50 fois la même vidéo. Pour faire plaisir aux abonnés. Là, je suis lancé sur une bonne partie des vidéos. Là, c'est bon. D'autant plus que j'ai regardé la dernière vidéo d'Atomium sur la présentation d'un jeu de réflexion. Et il faisait des lapsus. Enfin, pas des lapsus, mais il avait des problèmes d'élocution. Et ça me faisait bien marrer et ça me rassurait quelque part. Donc, voilà. C'est des choses qui font plaisir parfois. D'ailleurs, j'ai envoyé un commentaire comme quoi je connais ça de faire tout le temps des petites erreurs d'élocution. Mais bon, c'est pas pour ça que vous suivez ma chaîne, j'espère. Quoi, vous vous foutez de ma gueule en fait, c'est ça? Allez, c'est bon, j'arrête, j'en peux plus. Je me sens frustré. Non, je plaisante. Je vais faire ma maison ici, tiens, ce serait une bonne idée parce que comme ça, je suis à côté de cette base. Et en plus, il y a des moutons ici, juste à côté, je pourrais faire un lit direct. Ça, c'est cool ça. J'apprécie. Oui, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi ? Un crafting avec du bois brut. C'est tout moi. Ah, j'ai la gorge sèche. C'est un peu chiant. Bon, alors, je vais. Est-ce que je me rappelle au moins des crafts de base ? C'est la question. Voilà. Bon, ben, faut aller chercher de la stone. On peut rien faire sans la stone. Ah, bah tiens, je vais peut-être casser ici.
Quoique, si je casse, je vais m'attirer des ennuis. Ouais, je vais... Bon, allez, je fais déjà les murs de ma maison. Je fais une maison de 5 par 5. Je crois que ça peut être raisonnable. Ouais. Et c'est mal parti, je viens d'en faire 6. Ouais, allez, on va faire 6 alors. Hop, hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas compter, c'est parfait. Yop. Voilà. Comme ça, je suis déjà sécurisé pour la nuit. Hein. Parce que je sais très bien que les premiers épisodes que je fais, c'est toujours des fails. Donc je vais essayer de m'abstenir cette fois-ci et d'éviter de devoir recommencer 50 fois le premier épisode. Bon. Je fais mon toit. Hop, 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 hop. Ouh, c'est déjà bientôt la nuit. Fuck. Bon, bah, j'ai bien fait de m'y prendre à l'avance, apparemment. Voilà. Tac, tac. Je ferai double porte. Oula, c'est quoi ce bruit? Voilà. Et deux portes, c'est magnifique. Papadam. Toi, je vais te mettre un peu mieux. Ici, c'est mieux. J'ai encore du bois comme ça. Je vais rendre un peu plus esthétique. Bon, forcément, de base, c'est pas très esthétique ce que j'ai fait, mais j'essaie de le rendre un peu plus beau quand même, malgré tout. On va essayer de se rendre déjà un peu... Enfin, un peu comme chez soi, hein. Mais si ça tombe, après, je vais peut-être faire, en fait, des choses à l'intérieur de ce donjon. Je sais pas. Pourquoi pas. Je pourrais peut-être faire, je sais pas, des chambres. Faire un hôtel. Ça ressemble pas mal à un hôtel, en fait. Wow. On va voir avec la suite, hein. Alors, vu que c'est la nuit, j'espère qu'il n'y a pas trop de mobs autour de moi agressifs. Ça m'a pas l'air. Allez, je fais encore les côtés de ma maison. J'avoue qu'en fait, j'aurais pu faire une hache. J'y ai pas pensé. Bon, ben, vu que je suis à la fin, c'est un peu bête de le faire maintenant. Ah, je sais pas si vous voyez, à gauche, il y a des squelettes qui sont synchro. Vous allez voir, ils vont... Ah non. Ah si. Ça, c'est Minecraft. Hein. Bah voilà, c'est déjà pas mal. Tout ça en moins de 10 minutes. C'est raisonnable. Bon. Oui, il faut que j'aille miner. Il faut que j'aille miner. Je crois que je vais créer un petit passage vers le bas, ici. Hein. Je vais faire une pelle. Tac. Faut pas que je commence à tout saloper non plus. Voilà, je vais aller par là-bas. Je vais bien tomber sur du charbon pour vous éclairer un peu la vue, parce que c'est vrai que c'est un peu sombre ici, je l'admets. Voilà. Alors il y a des mods que j'ai pris en compte, la plupart des mods qu'on m'a envoyé en MP, hein. Parce que je sais déjà qu'il y en avait plein qui disaient oui, tes vidéos me manquent, etc. Si t'en fais des épisodes multimodes, essaie d'ajouter tel et tel mode. C'est ce que j'ai fait. Donc je crois qu'il y en aura qui seront bien contents. Du moins, je l'espère. Sinon, ce serait un peu bête de commencer les vidéos alors que ça vous plaît pas. Hop là. Voilà, je commence déjà à avoir de la lumière, c'est parfait. Ouh, je sens que j'ai bien aimé ces aventures. Ça commence bien. Merde. Le charbon. Je vais commencer à en prendre pas mal du charbon. Parce que c'est vrai que... au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va être un peu chiant. Alors, je sais pas s'il y a Too Many Items qui est... Non, Too Many Items n'est pas allumé. J'ai dû l'utiliser, Too Many Items, pour vérifier que les mods fonctionnaient bien entre eux. Hein. La meilleure façon de gérer la compatibilité entre mods, c'est d'utiliser Too Many Items et de faire interagir les objets entre eux. Donc normalement, là, avec les mods que j'ai installés, il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité. Après,
S'il y en a, ce sont des mineurs, ça devrait pas faire crasher la map. Du moins, je l'espère, parce que ça, c'est le genre de truc qui casse un peu les couilles. Quitte à limite faire une sauvegarde tous les 3 épisodes, comme ça, au cas où, si il y a ce genre de problème là. Normalement, il devrait pas y avoir de problème, ne vous inquiétez pas. Voilà, du charbon, c'est nickel. On va rentrer chez soi, on va éclairer le tout pour éviter qu'il y ait des mobs qui spawnent en plein dans notre base. Ça, ça serait un peu chiant quand même. Hein. Un peu casse-couille. Voilà, c'est parfait. Je vais déjà me faire une épée en pierre. Allez, deux. J'ai pas de... Ouais, en fait, non, j'en ai pas. On lit du jus. Voilà. Deux épées et on va faire une pioche. Voilà, magnifique. Alors, il nous faudrait du fer pour bien faire. Ça rime. C'était pas fait exprès. Pour aller exploiter au maximum les moutons. Comme ça, je vais pouvoir me faire un lit. Ça peut être pratique. Alors, je vais vérifier que j'ai... Merde, j'ai coupé en fait. Je me suis gouré de boutons, bref, oui, j'avais bien lancé la vidéo, donc c'était juste pour vérifier, parce que je suis doué, je suis d'une organisation exceptionnelle, je vous dis pas, je suis capable de faire des épisodes de 2 heures sans enregistrer, ça c'est tout moi ça, donc voilà, oui, du fer, c'est magnifique, voilà, c'est ce que je voulais. Alors, j'ai combien de fer? J'en ai 6. 6. Si j'ai envie de faire un sou, il m'en faut 3. Si j'ai envie de faire une cisaille, il en faut 2. Donc ça va, ouais, j'en ai suffisamment. Je pourrais même faire une petite pelle après. C'est magnifique. Allez. Hop là. Ouais, je suis mal. Ça, c'est malin, ça. Il faut peut-être le faire chauffer d'abord. C'est malin. Je brûle un peu les étapes. Hein. Recommencer Minecraft, c'est pas évident. Ouais. Tac. Tac. Alors, je vais mettre une épée. Alors, j'ai déjà essayé la snapshot 12. Oh putain. Pardon pour le grossier mot, ça m'a surpris. Vous voyez ça? Oh merde, il m'a vu! Oh fuck. Normalement, il peut pas péter les portes. Hein, normalement. Il s'agit d'un loup-garou. Une espèce bien dégueulasse. D'ailleurs, je vais essayer de la voir. Comme ceci. Et je ne le vois pas. Ah si, voilà. Normalement, il ne peut pas me toucher. Et moi, je peux... Ouh, purée, il peut me toucher, j'ai rien dit. Voilà, j'ai essayé de le tuer comme ça. C'est une manière assez lâche, je l'admets. Mais je crois qu'il lâche... Enfin, il drop des diamants. Je ne sais plus, ça fait depuis tellement longtemps. Alors, je vais avoir du mal à le tuer, en fait. Parce que c'est mieux le taper avec des épées en or. Avec les épées en or, on le tue en quelques coups. Avec une épée en pierre, une épée en pierre, il faut blinder de temps. Hein. Allez, vas-y. Bon, bah attendez, je regardais un match de foot en attendant. Je suis en train de flouter la touche de gauche. Enfin... Le clic gauche de ma souris. Mais le mouton, mais... Oh oui! Oh, génial! Oh, c'est cool, ça. Vous avez vu ce qu'il m'a donné? Il m'a donné une pomme en or. Ça peut toujours servir, hein, ma parole. Ça, c'est cool, ça. I'm the winner. Dès le premier jour, j'arrive à tuer un loup-garou. Ça, c'est cool, ça, quand même. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, tiens, en fait, je viens de voir qu'en haut à gauche, il y a le petit chiffre. J'ai oublié de l'enlever. F12. Voilà. Ça, c'est frappe, ça. Parce que j'avais été voir si c'était bien en train d'enregistrer. Bah c'est parfait. C'est nickel. Une pomme en or. Oui, des cisailles. C'est ça que je voulais faire. Alors, cisailles. Yop là. Puis je sais plus. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, des pales. Et un troisième truc, voilà, c'était pour aller chercher de l'eau. Ça peut toujours servir par après.
Bon ben voilà, c'est bien, je commence bien, je suis content là, je suis content. Il manque plus qu'un lit, franchement, c'est le seul truc qui manque, comme ça si jamais je meurs. Bon, en soi, j'ai pas fait beaucoup de trajets depuis le spawn, donc normalement, si je meurs, j'ai pas un trajet vraiment énorme à faire. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un lit, hein, comme ça on est directement dans sa base quand on meurt. Bon, mais voilà, j'ai 3 laines, c'est parfait, je vais me faire un lit. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content parce que je t'ai enlevé la laine? Eh ben t'inquiète pas, ça va repousser. Non mais oh. Bois. Voilà, mon petit lit. Mon petit lit douillet. Ici, c'est parfait. Je vais par contre reboucher le trou que j'ai fait. À la limite, ouais, il y a du sable. Je vais déjà me faire des vitres. Oh, oh. Ah, tiens, c'est quoi ça? C'est une raie? Ouais, on dirait bien. Je ne sais pas ce que ça drop. Allez, viens. Diju. You can die. Ça donne que dalle. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? T'as tué un renard! Enfoiré! Passe-moi du poisson! Merci. Bah, c'est cool. Bon, je vais encore prendre de la laine, hein. Ça fait de belles petites décorations, ou alors tout simplement pour faire le sol, hein. C'est tellement agréable d'avoir les pieds nus sur... Bah oui, parce que vous le savez, hein, j'ai les pieds nus, moi. Donc, les pieds sur... sur de la laine, ça fait toujours du bien. Coucou. Tu veux voir ma bite? Alors, petit challenge, essayez d'enlever la laine du mouton blanc, comme ça. Oh purée, ça c'est chaud, en fait. Merde. Reviens ici. Ah. Merde, je suis en train de le taper, je me suis gouré. Ouais, c'est bon. Wouhou. C'est un challenge complètement débile, mais on s'en bat les steaks. Hé, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, on peut récupérer la... les arbres avec les cisailles. Je sais même pas à quoi ça sert, mais bon. C'est un peu useless. J'avais pris du sable, je vais. Je sais plus ce que je voulais faire. Ah, ce que je peux faire, c'est... faire chauffer d'abord le poisson. Et puis je vais mettre directement après... du sable pour faire déjà des vitres. Hop là, je vais vite aller encore en chercher deux. Voilà, ouais, bon, je vais attendre, je suis pas impatient. En attendant, qu'est-ce que je peux faire? Il y a des chevaux. Les chevaux, je ne sais pas comment on les monte. Je suppose que c'est avec les selles de cochon. Je sais plus. Si on est qui le savent, dites-le moi. Je ne sais plus du tout. Ce que je sais, c'est que je vais aller tuer cet ours qui va me donner du poisson. Ah, et oui, vous me faites penser qu'en fait, je n'ai pas été dormir dans le lit. Ce qui fait que c'est un peu con ce que j'ai fait. Faire un lit, c'est bien. Dormir, c'est mieux. Eh oui, en fait, je pourrais passer la nuit. C'est vrai que j'y pense jamais, ça, en fait. Ouh, c'est quoi, ça? Ah, c'est un mouton. J'ai rien dit. Ah, merde, mais oui, forcément, je peux pas dormir. Ça se voit que je suis... je me réinitie à Minecraft, quoi. Je ne sais pas... Ouh, il y a l'obsidian, là-bas, où je rêve. Ah, ouais. Ah, oui, en fait, le donjon a pop sur un lac de lave. Ce qui fait que je peux déjà avoir de l'obsidian maintenant. Je peux déjà me faire une porte du Nether limite à côté d'ici, quoi. C'est cool, ça. Ça fait plaisir. Tengzu. Alors, toi, tu vas me donner quoi? Du poisson? Oh, il faut faire gaffe parce que ils sont pas gentils normalement, les. Ok, tu me passes des dents de requin. Je vois pas trop à quoi ça peut me servir. Allez, hop là. Ouh, oh, purée, il fait mal, il m'enlève blindé. Je suis en arde au cas où, hein. Donc, c'est vrai que... En arde, ça fait assez mal. Allez, vas-y, meurs. Et il faut que je bouffe aussi, en fait. Ouh, purée, en fait, je suis bientôt mort. God damn it. Je vais prendre l'XP, vite fait. Ouh, oh, oh, lol. Non. C'est quoi, ça? Pourquoi je suis contaminé? Fuck, c'est les raies. Ok, c'est les raies, ça contamine. Putain, je savais pas, je pensais que c'était inoffensif. Ça m'a fait peur pendant un moment, j'ai cru que ça allait m'empoisonner pendant 10 000 ans. Ah bah j'ai une pomme, en fait, remarque. Faut bien que ça me serve à quelque chose.
Voilà, je récupère ma vie, c'est nickel. Alors, j'avais fait, voilà, un poisson. Bon, il me faut encore de la bouffe. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Je ne bouffe pas du cheval. Je trouve ces animaux nobles. Je n'oserais pas en manger. Ouf, toi, tu m'en as passé beaucoup. C'est cool, ça. Bon, ben, je vais un peu voyager, voir un peu ce qui est aux alentours de cette map. Alors, je ne vais pas, justement, là-dedans, parce que vous savez très bien que c'est très, très méchant, ce qui est là. Notamment pour ceux qui auraient vu la fake aventure que j'allais commencer et que je n'ai pas faite. J'avais déjà, lors du premier épisode, survolé cet endroit-là. Et je dois dire que j'avais eu quelques petits problèmes avec le bonhomme avec un pull rose, là. Pas fort sympathique, ma foi. Bon, tout ça pour dire que j'aurais dû faire en fait des haches en pierre. Je suis d'une désorganisation, autant IRL que dans les jeux. Ça frappe à mort. Bon, ce que je peux faire, c'est vite retourner. Je fais plein d'haches et je vais vite aller chercher du bois. On est à la mi-journée, on a encore le temps. Pépère. Pins, peace and love. Pins, pins and love. J'ai fait un mix de pins dans Biloulette et pins. And love, ouais, bon, faut pas chercher en fait. Je dis de la merde. mon dieu, je me fais peur à moi-même. C'est pour vous dire. En fait, j'ai déjà utilisé des vitres. Hop là. Yop là. Et de ce côté-ci. Hop, je récupère. Tac, tac. Est-ce que j'ai des toiles araignées? Non, j'en ai pas, donc je ne peux pas les pêcher. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais déjà faire des bâtons. Pour me faire des haches. Et je vais faire ce que j'avais dit. Je vais aller chercher du bois. Tac. Parfait. Et en fait, tant que je vais aller chercher tout ça, autant aussi prendre des graines hein, pour faire des petites cultures à côté de chez moi. Pardon mouton, t'étais dans le chemin, c'est de ta faute. Allez hop, toi cochon, tu vas finir dans mon ventre. Tu es très très bon avec un peu de poivre. Ouais, remarque, ça je pourrais faire déjà en fait. Je vais casser ici. Hop là. Et en mettre déjà ici pour quand j'en aurai besoin par après. J'en aurai beaucoup plus. Lion, est-ce que tu es méchant de base? Non, tu n'es pas méchant de base. Oh! Fumier. Oh! Aïe, 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 aïe. Ah, ah, ah. God damn it. Oh, il me saute en plus à la gueule. Mon lit de jus. En fait, c'est assez bizarre parce qu'il m'a pas attaqué directement. C'est parce que je suis resté à côté de lui pendant un certain laps de temps qu'après il a commencé à m'attaquer. Il y a un petit tigre, il faut pas faire attention à la taille. Hein. La taille n'a rien à voir dans ce jeu de fou. Les petits tigres sont aussi féroces que leurs parents. C'est pas cool. Bon ben je crois qu'ici je suis pépère pour aller chercher du bois. Faut toujours que j'aille aussi aller chercher la bouffe, hein. Je le sais, ne vous inquiétez pas. C'est pas très prudent ce que je fais, hein. Je l'admets. Mais au moins, j'ai été dormir dans le lit, comme ça si jamais je meurs, je pourrai revenir ici sans problème. On n'est qu'à 100 mètres de la base, on va pas se plaindre. Je vais prendre un stack de chaque, je crois. Alors, après tout ça, je vais aller commencer à les miner. Je vais aller chercher des diamants pour me faire des pioches en diamant, forcément. Et aller chercher l'obsidian qui se trouve à côté du donjon qu'on a vu tout à l'heure. Comme ça, on va déjà se faire une porte du nether. On va aller dans le nether, on va aller chercher des champignons du nether pour faire des potions. Parce que je ne suis pas très fort en potions et j'ai envie de m'initier à cette conception de potions qui peut être vachement utile.
pour faire des explosions, pour se healer, pour respirer sous l'eau. Je sais pas trop ce qu'il y a, je me suis pas trop vraiment intéressé. C'était plutôt Eddie que je connais, qui faisait souvent les potions. Moi, je suis une sous-merde là-dedans. Je ne sais, c'est limite si je sais même pas comment... Enfin, si je sais toujours pas comment on fait des potions. Vide, je parle. Juste le verre. Je crois que c'est juste, en fait, mettre des vitres comme les seaux. Je sais pas. Je ne sais pas, je verrai bien. Bon. Tout ça pour dire que j'ai combien de... Bon. Ouais, j'en ai pas encore suffisamment. C'est cool parce que j'aime bien trouver des forêts plats avec une diversité d'arbres comme ça, c'est plaisant. D'habitude, soit tu tombes sur un biome jungle. Danger, danger. Oula. A pyramid has been discovered around your location. De quoi? Bon, j'ai pas entendu. Tout ce que je sais, c'est que ça s'annonce effrayant. Il y a peut-être encore un autre donjon ou peut-être des pyramides, j'en sais rien. Il y a diverses choses qu'on peut trouver ici. Faire attention aux serpents. Les serpents, ils sont venimeux. Je sais pas lesquels sont venimeux, mais je sais que dans l'ensemble, ils font assez mal. Notamment quand on n'a pas encore d'armure, ce qui est le cas chez moi. Voilà, je vais encore en chercher un peu, puis je me barre parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais la nuit commence à arriver. Le soleil se couche, ce qui n'est pas une bonne chose, ma foi. Allez, en route. Si dans mon chemin, enfin sur mon chemin, je trouve des cochons, je vais être sans pitié. J'ai besoin de bouffe. Oh, ok. Je vois ce qui est apparu tout près. Comme vous pouvez le voir, c'est une pyramide. Oh, mais ça, c'est excellent. Il y a une diversité de choses tout près de chez moi. Ça, ça fait plaisir. Ça fait, mais alors, vraiment plaisir. Bon, on va rentrer chez soi. Hein. Ce qu'il me faudrait aussi, c'est des os pour pouvoir adopter un peu tous ces loups. Ça me fera des compagnons pour survivre la nuit, on va dire. Alors, les chats sont complètement useless, je suppose. Vu que je sais qu'il y a des souris, à mon avis, elles doivent... Les chats doivent s'amuser. Mais vu que les souris ne donnent que dalle à part des graines, c'est un peu useless. Je vais pouvoir dormir, tiens. Voilà. Je passe la nuit parce qu'il faut que j'aille chercher de la bouffe, hein, sinon je vais pas tenir. Et puis en plus, je suis pas encore dormi tout à l'heure parce que c'était en plein jour. Donc voilà, au moins là, j'ai une sauvegarde. C'est déjà ça. Bon. Je sais plus, je parle, je sais plus ce que je voulais faire. Chercher la bouffe, ça je sais. Mais il me semble qu'il y avait autre chose. Ça va me revenir. Je sais plus. Ah oui, voilà, je voulais faire un sol en laine. J'allais oublier. Ah ben, si en plus ils sont généreux les cochons, ça fait plaisir. Oh, ça c'est tout bon ça. Par contre, en fait, c'est pas très malin ce que je fais parce que en soi, s'il y a plus de cochons autour de chez moi, en fait, je devrais plutôt les accoupler. Bon, je ferai un élevage par après. Allez, viens ici le scorpion. Oh, aïe, il fait mal. Aïe. Oh, aïe. Oh, c'est quoi ça? Ok, là, il y a un petit bébé qui sort de nulle part. Qui était apparemment en dessous de la mer, un truc du genre. Ça doit être une sorte de protection pour ces petits scorpions, pour éviter de se faire bouffer par les plus grands. Ah ben non, lui, il en avait pas. Bon ben, ça dépend, c'est aléatoire, on dirait. Cochon, j'ai pas... Ah, des brebis, tiens, ça donne sûrement de la bouffe, ça. Enfin, je sais pas si c'est des brebis, en fait. Toi, tu donnes déjà de la bouffe. Voilà. Et ça donne pas de bouffe, c'est parfait. Merci. Alors déjà que vous faites chier parce que vous tuez les moutons, les ours, mais si en plus vous donnez même pas de la bouffe. Il est mignon. Oh, wow. Oh purée, il me reste plus qu'un demi-cœur. Enfin un cœur et demi. Non. Oh fumier. Oh purée. Oh là, il faut que je bouffe. Là, il faut que je bouffe. Je rentre chez moi, je vais faire cuire mes steaks. Oh mais non, mais c'est pas possible, mais comment des petites panthères comme ça qui font même pas la taille de mes chaussures, que je n'ai pas d'ailleurs,
puisse autant me faire mal, quoi. C'est juste un... C'est insensé. C'est insensé. Mon Didju. Faut que je rentre chez moi. Je vais aller vite prendre la laine des moutons. Et puis je me barre. Allez, viens ici, mon petit. Il n'y en avait pas d'autres. C'est bien ce que je vous dis, en fait. Hein. Si vous voyez qu'il n'y a plus de moutons, c'est parce que c'est ces ours, là, qui se trimballent tout près, qui sont en train de les tuer. Ils sont vraiment chiants. Bon. Allez, hop. On va faire chauffer tout ça. Et je viens de penser que j'ai des toiles d'araignée. Donc, je peux faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire une canne à pêche. Et c'est pas comme ça qu'on fait. Je ne sais même plus. Ça c'est pour l'arc à flèche. Ah non, c'est l'inverse en fait, oui. Je m'en rappelle. C'est comme ceci. On met les strings comme ça. Et non, c'est pas comme ça. Mais merde, je sais même plus. Je ne sais plus. Comment ça se fait? C'est comme ça alors. Mais allez. Allez, comment? Mais comment je fais? Allez, une canne à pêche, physiquement, comment ça se passe? T'es obligé de mettre des bâtons comme ceci. Puis t'as le fil. Pourquoi il me veut pas? Je sais plus. Ah, ou c'est peut-être des... Non, c'est pas des plumes, mais non, ça serait illogique. Bref, je ne sais plus, je regarderai de mon côté après cet épisode. Oui, je dois aller bouffer. Je m'en rappelle plus. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, j'attends quand même un peu pour récupérer ma vie. Ah, il y a plein d'ours autour. C'est bien, ça va pouvoir me faire de la bouffe. Bah allez, je vais aller miner en attendant de regagner un peu toute ma vie. Je vais continuer dans ma lancée. Ah, bruit de zombies, peut-être bruit de donjon, qui sait. Avec la chance que j'ai, ça vous pouvez demander à n'importe qui de la communauté, de l'ancienne communauté, je dirais même plus Minesis. Je suis un chanceux en termes de donjons, de diamants, de tout le bordel. C'est pas eux qui diront le contraire en tout cas. Sauf que là je les entends plus ces zombies. À la limite, je pourrais faire un accès pour arriver vers le... Oh non, ce serait malsain de faire ça. Vas-y, je vais faire ça. Je vais aller chercher... Je sais qu'il y a des coffres dans le donjon là-bas. Je me dis que si je pouvais me glisser en dessous des coffres et juste prendre le contenu des coffres... Je sais que c'est un peu lâche comme technique, hein, mais de toute façon, il y a plusieurs étages. Je sais qu'il y a plusieurs étages. Je crois qu'il y en a 2-3 des étages dans ces donjons. Et je me dis que si je peux avoir déjà des bonnes petites ressources pour bien commencer la partie en allant chercher à chaque fois les contenus des coffres, ça peut être pas mal. Hein. C'est pas forcément lâche, c'est plus de la stratégie, on va dire. Allez, hop. Je crois qu'en fait, je n'ai plus... Ah si, voilà. J'en avais un, mais je l'avais pas vu. Alors, je sais même pas si je suis dans le bon sens, en fait. Si ça tombe, je suis... J'ai peut-être un problème d'orientation. Non, normalement, je suis dans le bon sens. Bah, je vais monter jusqu'à la surface, on verra bien ce qui se passe. Mais normalement, je devrais bientôt arriver en dessous du donjon. On va voir. En tout cas, j'entends des zombies. Allez, j'ai pas creusé autant quand même, si. Putain, j'ai l'impression de me retrouver dans une montagne, là. Ah, je crois que là, je me rapproche. Ah. Oh, attention, c'est quoi, ça? Il y a un truc bizarre, là. Dédale, ok, c'est parfait, je suis quelque part.
Alors j'ai un peu peur de faire ce que je vais faire, c'est-à-dire... Alors je suis apparemment sur les côtés, donc si je m'oriente un peu plus de ce côté-ci, je devrais arriver en dessous du coffre du milieu. Je sais même pas si on a plusieurs des coffres au milieu. Ah, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Oh, that king got that new sword. It's so Lol. Super. Ça c'est space. Bon ben, un peu bizarre. Je vais voir ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Ah merde, je... Oula. Oh, il m'a vu là. We're here to protect you. Il a pas l'air de vouloir descendre. Ouh, si, en fait, il est descendu. I told you, stop. Ouf, right in the guts. Ça c'est la technique vraiment lâche, c'est d'aller attaquer au niveau des jambes des mobs. J'avoue que c'est pas con ça en fait. The king is so nice, don't you think? Non, je ne pense pas. Oh merde, ça j'aurais pas dû faire en fait. J'ai trop de trucs déjà sur moi, j'hallucine quoi. J'aimerais bien monter tranquillement, mais le problème c'est que... Ça c'est dangereux, mais vraiment dangereux ce que je fais. Hein. Ah ok, le coffre est là-bas. Oh, oh. Ah, oui. Ok, le coffre est dans cette direction-là. J'y vais. Floyd, get over here. We have guarding. The king got that new sword. It's so super. The king is so nice. Don't you, Floyd? Please bring me another donut. Je suis où là? Floyd, have you seen my slipper? Alors là, je suis en train de me pencher. Oh, oh. Floyd, we're supposed to be on guard duty. Where are you? Ça, c'est pas cool ça. Oh, ah, ok, c'est un petit machin ça. Oh, that tickles a little bit. Stop. Now look what you've done. Un donut. Ça, c'est cool ça. Floyd, bring me another donut, please. Ah oui, vas-y, passe-moi du donut. That tickles a little bit. Oui. Je sais même pas à quoi ça sert en fait. Tiens, je vais voir à quoi ça sert. C'est de la bouffe. The king is so nice, don't you think? J'arrive pas à bouffer, peut-être parce que je suis full life en fait. Floyd, please bring me another donut. Oh, c'est quoi? Oh merde! Oh non, non, t'es sérieux, pas ça! Non! Oh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui me fait mal? Mais qu'est-ce qui me fait mal? Wow, 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 wow! Alors, il y a un troll dans les parages, là. Mais le problème, c'est que je le vois pas. Je sais pas d'où il vient. Mais ah, allez, mais c'est pas possible, ça. Il est en train de tout péter autour de lui, en fait. C'est Saccage Man, quoi. C'est... Oh là là. Bon, je rentre chez moi. Oh merde, mais il serait capable de tout péter chez moi en plus. Tellement un barbare. Oh, regardez comment il a foutu la merde. C'est beau quand même, hein. Moi je trouve ça stylé. C'est quand même bien fait, hein. Y'a rien à dire. Allez, viens. Tu ne peux rien faire. Tu es trop loin. Tu es dans l'eau en plus. Tu peux pas casser les objets en dessous de moi. Et j'ai du feu en plus. Ça c'est cool ça. Ouh, ah. Ah, aïe, 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 aïe. Donut. Merci. J'enlève ceci et je vais aller prendre le feu. Merde, je l'ai re-ramassé. Oh, il y a un loup-garou. Fuck. God damn it, Jazz. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Alors apparemment j'étais proche des coffres quand même, hein, à l'air de rien. Comme vous pouvez le voir. Bon ben je vais quand même tenter, hein. Je vais retourner à l'intérieur. Ouh, c'est quoi ça? Alors j'arrive. Alors pour vous prouver que je suis bien en arde. En arde, pardon. Blablab. Hard, difficulté hard. Ouh purée, le nombre de golems qu'il y a là, j'avais même pas vu.
Les golems sont des saloperies. Il n'y a pas pire comme, comme mob. Parce que même si t'es sécurisé dans un endroit, s'ils te voient, ils pètent tout, quoi. C'est... Enfin, je dis golem, troll. Pour moi, golem, troll, c'est pareil. Je sais pas pourquoi. Hein, c'est des lapsus que je fais à chaque fois au niveau de ces noms-là. C'est comme mob et mod. Combien de fois je me suis trompé dans ces mots-là. C'est dingue. Bon, ben. Tant pis pour le loup-garou. De toute façon, normalement, je devrais pas avoir de problème avec lui. Floyd, get over here. We have guarding to do. This castle is safe and secure. Floyd, you're supposed to clean up these cobwebs. Where are you? Oh, these donuts are Floyd, delicious. Bring me another donut, please. Allez, mais il est où le coffre? C'est pas possible, ça. Putain, mais il m'a surpris, ce con. Don't do that. Oh. Mais allez. Mais j'étais quand même au coffre, non? C'est un peu plus haut, là. Alors, si à chaque mois, je mets des blocs comme ceci, c'est bien pour une bonne raison. C'est pour quand ils tombent, ils me tuent pas, en fait. C'est comme ça, je vois uniquement leurs pieds. Allez, je comprends pas où sont les coffres. Fuck! Je vais regarder vite fait. Oh putain, mauvaise idée, mauvaise idée. Aïe, 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 aïe. Aïe. Oh, il donne des steaks, ça c'est cool ça. Je crois que je vais exploiter ces petits bonhommes là. Oh, that king got that new sword, it's so super. Ouais, vas-y, donne-moi les steaks. Oh putain, mais c'est... Oh, mais c'est hyper rapide ces trucs. Oh, oh. Ouais, ils donnent même des os. Eh ben. Ils sont cool. Floyd, we're supposed to be on guard duty. Where are you? Je sais pas quoi jeter en fait. Bon, cette pelle en bois, on s'en fout un peu. Bon, ben je vais retourner à ma base. Je crois que c'est pas très productif ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de stagner depuis tout à l'heure. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai commencé la vidéo. Je crois que ça fait depuis pas mal de temps. Donc. J'ai envie de vous dire à la prochaine, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, en tout cas, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, ça fait toujours plaisir et puis ça motive vraiment à continuer l'aventure. Et on se revoit pour le deuxième épisode de cette aventure palpitante, ma foi. Allez, ciao tout le monde.